Voilà, merci monsieur le journaliste. Bon, man mangi tuddu Banambaou. Je suis un agent de CAPER. CAPER, c'est le centre d'appui pour la promotion de l'entrepreneuriat rural et périurbain. Voilà, merci. Bon, l'objectif de cette assemblée générale, c'est de mettre sur pied une coopérative de consommation dans la commune de Thiaroy-sur-Mer. Donc, le principe était d'informer toutes les communes de la région de Dakar. Et parmi toutes les communes les plus dynamiques, on travaille avec jusqu'à l'aboutissement de la mise en place d'une coopérative de consommation. C'est comme ça que les gens de Thiaroy-sur-Mer ont travaillé avec nous jusqu'à aujourd'hui, le jour de l'Assemblée générale. Donc nous sommes dans le cadre d'un programme de franchise sociale. Donc le projet en global, c'est pour vivre. Il y a 4 volets. Il y a le volet franchise sociale, il y a le volet économie circulaire, il y a aussi le volet appui aux petites et moyennes entreprises et les formations qu'on va faire aux petites et moyennes entreprises. Mais en ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est le volet franchise sociale. C'est quoi la franchise sociale? C'est juste pour lutter contre l'inflation des prix et le manque de qualité des produits que nous consommons. Donc comment ça doit se faire? On doit constituer les populations en coopérative de consommation et en coopérative de production et faire en sorte qu'il y ait un link entre les producteurs et les consommateurs. Ceci va réduire les intermédiaires et une fois les intermédiaires réduits, ça peut jouer sur la qualité et les prix que les producteurs vont fixer pour les consommateurs. C'est juste ça. Donc on est là aujourd'hui en assemblée générale avec la commune de Thiaroy-sur-Mer qui y a actuellement plus de 150 adhérents dans la coopérative. Donc à tout de suite après l'assemblée générale, on va passer aux autres étapes qui seront aussi déterminants que l'Assemblée générale pour mettre sur pied cette coopérative de consommation. Oui, parce que ce programme-là, c'est un tout. Parce qu'une fois que tu agis sur la consommation, ça intervient sur pratiquement toutes les activités que vivent les populations actuellement. Donc, actuellement, on peut dire que c'est la seule chose qui pose problème à la population. Parce que si toutefois la consommation est assurée, pour le reste, je crois que ça va venir tout seul. Ça va venir tout seul. Donc, tout cela, ça va influer sur tout ce que vous venez de citer et je crois que ce sera que du bénéfique pour la population. Donc, l'Assemblée générale, ce qu'on doit faire, nous avons un programme pour nous dire franchise sociale. Franchise sociale, projet Biko Wundu, c'est pour vivre. Pour vivre, niente volet. Ben volet, c'est économie circulaire. Benen, c'est appui aux petites et moyennes entreprises. Benen, c'est des formations. Ben, c'est franchise sociale. Donc, là, c'est franchise sociale. C'est faire ce que vous avez dit, c'est plus cher et la qualité des produits que vous avez consommés. Naka lañ koy défé dañuy fexé ba nit ñi constituer wu en coopérative de consommation et en coopérative de production. Buñu constituer en coopérative de consommation et en coopérative de production, ñu fexé ba mu am ben link entre les producteurs et les consommations. Il y aura aussi au centre entre les consommateurs et les producteurs ben entreprise commerciale bu mag bo xamné moy doon fa tiers bi. C'est juste pour que mu mëna servir d'intermédiaire entre ñom ñaar. Madame fexé ba li nga xamné mom lañuy soxla ci walu produit ñu mën ko am ci qualité bi nga xamanteni mom lañ ko wara amé ak ci ñeug bi nga xamanteni mom lañ ko wara amé. Donc mu doon bir mo nga xamanteni dafa soxal aduna yépp surtout fi nga xamanteni mom moy Sénégal. Donc liñ fi gëna jambat liñ fi gëna poser nit ñi problème moy walu consommation naka lañuy def ba dundu gu sel gu cheru. Lolu nak lañuy fexé ba lolu jappandi pour que nit ñi mo moins mëna soulager wu ci bobu domaine nga xamanteni c'est un domaine bo xamanteni ça préoccupe tout le monde. Donc lolu lolu mom moko taxa jox jafé jafé yoyu pour safaral ko lolu mom mo taxa jox projet bi. Projet B, son rôle, c'est de faire en sorte que les gens puissent acheter qualité et moins cher.
Donc lolu mom moy objectif du projet bi parce que buñu démé ba nga xamanteni coopérative yi taxaw na nit ñi ñoy jëndal seen bop ñoy jaayal seen bop non seulement dañuy jënd moy cher ak qualité mais bép produit bu nga xamanteni aussi bëgg nañ ko jaay té mu doon lo xamanteni lu qualité la mën nañ ko jaarale ci li nga xamanteni moy coopérative bi pour mën ko jaay parce que da ngay dem par exemple ci dëkku début yi dañuy def ay transformation charajum mën nañu def ñi mën nañu def geejgi ñi mën nañu def ay kétiax ak yoy donc yoy nonu mën nañ fexé ba nga xamanteni dañ koy labelliser mu nek produit bo xamanteni da fay bok ci produit coopérative parce que coopérative yi aussi lepp luñ ciy jaay da fay nek ci label sel neex donc mu doon lo xamanteni dañ ko créer uniquement pour les produits des coopératives donc lepp luñ ciy jaay bu nekay tour sel neex rek day na la leer ne day doon lo xamanteni lu am qualité la té lo xamanteni lu jappandi la ci population voilà merci la djou martar ñang nek président délégué de quartier bu Thiaroy en même temps nek président union départementale du délégué de quartier de Pékin dama ci mëna wax moy Thiaroy am nañu luñu masulam assemblée bi c'est la première fois ma gis ko tay ci Thiaroy ma gis sama juroom ñett fa kiat mais li ñariñ bi am ci Thiaroy tay ñu def ko tay la ko ma sa gis buñu santé yalla julli ci sayidina mohammed sante ñi ko fi andi mënon nañ ko yobbu fenen pekit bi ma jité chaque jeudi am nañu réunion mais li dañ ci wax ak man bëkk demba amna bo am fi ci dalifor mais bokul ak sunu boss coopérative bobu namu amé moy nañ koy doxale moy dañu lay lebal buñ la lebalé liñ lay lebal ciiro ko ci ñetti wër nga fay ko ñetti wër bokul ak ñun sunu boss kon lolu dañ ci wara sante yalla parce que lu xew ci département bi rek yegna mais li xew tay Thiaroy musul am diko rafetlu nak di sante Thiaroy parce que lepp Thiaroy la Thiaroy ay lebu lañu suñu xese ba japp jeexna te jappante nañu ak ñom te leneen nga ñëwaat ñi andi lañu li amna leneen lo xamne mu ngi ñëw te ñom ño tax loola mëna ñëw fi lu ñëwagul nak mëna ko ci wax waye bu ñëwé dañu xamne lepp lu ñëw ñom ñi la ñu ngi leen sante di leen gërëm mën na safara parce que lutax club ceb légui loko jëndé am nañu jaayé 450 club ceb loko jëndé 23,000 wala 24,000 ben 50 kilos mané mom la jëndé kon projet bi bu ñëwé man na ma jappalé parce que man may jëndé ceb sama kër ma jënde diwlin ma joxe dépense xalé dañuy participer rek tama dama bëgg ab ciép kon projet bu melni bu ñëwé Thiaroy gëb la ñëwul ma ciëpulé di ci sant yalla nak parce que bañ koy tambalé xalaatu ñu won né dina aksi fi ñun délégué de quartier yi nga xamni ñoko tambalé ci sama kër xalaatu ñu won dina aksi fi ta man ci loolu la gëmon parce que bañ ko jëkke wax réunion bañ ñu dajé li corriger matul sax juroom mëni nit ci ko ñu laaj téméri nit ñuko disé kon tay bu ñu démé borom téméri nit ñeneen ña ngi bëgg participer amna nak ñen nak la xamné da ko wax délégué yi amna ñu xamné gëmuñu yalla parce que buñu gëmon yalla bok ci li mais amna ñu xamné dañu ba leen waxé dañ né ñom duñu bok dañ leen di nax du gëna sëri nopp mais ñun ñu continuer and ak yalla ko and ak yalla nak la nga bëgg yalla na la ko défal moy limuñu défal tay di sante sunu borom lepp mom la sante Thiaroy mbokk Thiaroy commune de Thiaroy sur mer ma ngi tuddu Abdoul Aziz Diop di délégué de quartier di secrétaire généralement de l'association des délégués de quartier de la commune de Thiaroy sur mer qui compte 41 quartiers merci beaucoup donc aujourd'hui on est au niveau de la mairie et précisément dans la salle délibération de la mairie avec l'ensemble donc des adhérents à notre projet de coopérative de consommation de Thiaroy sur mer. Donc c'est une coopérative de consommation bon, qui est partie sur l'initiative d'une ONG italienne, CSEV, et CAPER,
pour nous accompagner, pour mettre en place cette coopérative. Et aujourd'hui, donc, nous sommes là, dans la salle, une centaine. Pour le moment, on est plus de 100 membres, n'est-ce pas, pour essayer donc d'expliquer et de partager les statuts et les règlements. Les statuts et les règlements intérieurs donc, de notre coopérative de consommation. L'objectif, c'est quoi? L'objectif de cette coopérative, c'est donc essayer donc, d'avoir donc, disons, un filet de sécurité. Si je parle de filet de sécurité, ça veut dire que on a vu qu'aujourd'hui il y a l'inflation galopante, une inflation dans ce pays. Et avec la mise en place de cette coopérative, ça nous permettra de réduire les coûts des denrées alimentaires. Et également, ça permettra également d'avoir accès à une alimentation de qualité. C'est justement, je pense qu'aujourd'hui, au-delà même de ces organisations, nous devons tendre vers ce qu'on appelle l'esprit de quartier entreprise. Parce que, en fait, là où nous sommes aujourd'hui, c'est plusieurs, en tout cas, représentants des quartiers qui sont là. Quartier entreprise, ça veut dire quoi? Que cela, en tout cas, nous puisse nous permettre de jouer sur la consommation. C'est-à-dire, aller vers les, par exemple, je donne un exemple, produire par exemple de riz, n'est-ce pas? Commander donc une commande globale par exemple de riz, n'est-ce pas? Là, on va l'avoir donc à moins de prix, n'est-ce pas? Et arriver donc sur des lieux, donc nous allons donc subventionner le prix d'achat, en tout cas de ce riz par exemple. Ah, coopérative de Kota Diop rek moy len le Sénégal légui ak réew mi légui ak même aduna bi yépp boko xolé li wax inflation prix yépp da fay grimper ken xamadul prix bi lan lay jaar da ngay dem boutique bi même boutique bi taxalandu ki jaay la légui ñun ñu dajalo gis coopérative coopération italienne bi ñu CSV ak CAPER ñoñu jappal ak ñom pour former sur les 557 communes du Sénégal amna 7 yu nek Dakar 7 yu nek Dakar. Nous sommes les mêmes, nous sommes la commune de Thiara-sur-Mer. Aujourd'hui, d'après nous, nous sommes la deuxième coopérative qui est installée dans l'Assemblée générale constitutive. C'est-à-dire le bureau, le comité de gestion, le comité de surveillance et également la commission. Donc, c'est ce que je veux dire. Il y a plus de 100 personnes qui jouent sur les 41 quartiers de la commune de Thiara-sur-Mer. Nous sommes là aussi, nous avons donc une rencontre pour gagner le bureau, gagner, comme nous l'avons gagné, organisé. Pour mener du bleu sur le projet, puis nous appelons de l'épigène yomb. Ensuite, il y a des gens qui encore d'une de qualité. Dans le projet, vite vous direz d'accord. Maintenant, il y a des gens qui ont été projet. On va voir mes d'abord. Donc, l'autre a dit que le projet est amené pour mourir. On va également d'autres partenaires. Il y a des gens ici, territoire communal. Moi, comme oui, et courir l'institution financière. Moi, comme muy autorité coutumière, moi xam muy autorité traditionnelle, moi xam courrier li nga xamné en tout cas ño xamné gëna leen rañi ci jaré, moi xam également acteur économique ñoo tam ñu ngi tal lolu rek vraiment indi na confiance ci projet bi bu boba nak suñu paré, je crois que peut-être ñun on vise aujourd'hui peut-être plus de 200 membres, 200 membres bu ko amé di def suñu ay commandes di def lolu dund bi ak lepp di mëna yegg ci kër yi bu paré ñoo lëmb ko bu paré tamit lu ma ci jokkat moy projet bi ñaari at lañuy wa coopération dimbalé dañ ko subventionné pour 2 ans le xamné ngeegi olé ko mu nek supposons mo jox exemple rek bu kilo ciéb don jar 500 francs ñun buñ commencé kilo ciéb bi war na mëna jar peut-être pas à 400 francs ba paré limité ko même bu pénurie ciéb don am tamit ñun buñ commandé tamit ñëpp ño xamné ay adhérents du coopérative tamit du yegg pénurie ko yow lan ban poste nga occupé ci coopérative bon coopérative bi man facilitateur là. Délégué de quartier là, amna lu ñu wax comité d'initiative. Li nga xam ñun ñoo nekkon ak le président Matarnia, bi nga xam moy président des délégués de quartier, man mo nekk secrétaire général des délégués de quartier, ñu fexé nas affaire bi wax ak ni ñi wax population yi def communication jëma xol statut yi adapter ko par rapport également au contexte de Thiara-sur-Mer. Voilà.